sur la vie de mon fils, j'ai sauté par la fenêtre. J'habite au... Ah, la vie de ma mère, frérot. Oh, la vie de ma mère. Grosse anecdote, la tête de ma mère. Hein. Je suis un fan de lui, je regarde son film, je l'ai regardé avant-hier, sans mentir, avant-hier et pour la 15e fois au moins. Ouais, à fond, il faut être, comment ça s'appelle, cinématographique. Voilà, c'est ça, quand j'écris, il faut avoir le délire, genre l'histoire, genre qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Après, pas, attention, pas dans tous les sens, des fois tu vas mettre une instru, on va aller tout droit. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, il y a des instrus, c'est comme ça. Je peux pas, je sais pas. Même des fois, sans écrire, tu vas rentrer dans la cabine, tu vas aller tout droit. Mais il y a d'autres délires cinématographiques, c'est important. Bientôt! C'est en cours, hein? Non, je veux à fond, à fond, à fond, à fond. Moi, je trouve que... En fait, les acteurs, par exemple, ils vont jouer un rôle, ils vont se forcer du mec énervé ou du mec de... Pas forcément du mec de cité, par exemple, mais peut-être du mec d'entreprise qui, tu vois, qui a blanchi, tu vois ce que je veux te dire? Sans dire que je suis... Vois, mais nous, c'est en nous, en fait. À Avignon, ils m'avaient bien accueilli et tout, on était calé et tout, on faisait le clip, on l'a fait en mode, tu connais, en mode cité et tout, le petit en scooter. J'étais calé sur ma chaise et tout, la vidéo elle a tourné. Posé de là, ça me dit, ah ah, elle a mis là, il y a les condés. De là, j'ai couru, j'ai pris la poupe d'escampette. Même Bolt, il a pas couru plus vite que ça. à la Canebière, la Kalash. Eh oui, celle-là, oh là 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 là. J'étais en train de faire le clip MST et les flics d'un coup ils sortent du commissariat, ils ont vu j'avais la calache sur le dos. Ils ont rien compris, genre tranquille, je fais un clip les gars. Ils sont sortis, oh, cavalant, il y a la vidéo aussi sur YouTube. Je cavale, je monte sur le T-Max, sur son frérot là, Rahmou, là, il y a personne dans son mère. Sur ma mère, je suis monté dans son dos, oh, à fond, on est parti. Sur ma mère, ils ont quadrillé le quartier après, juste après, à fond. Et à Lyon, à 14h, rendez-vous à 14h pour un clip. Vite fait, c'était un clip, vite fait. Vous allez voir le clip, full dawa. Ils sont venus à 900. 900, j'ai fini en garde à vue. Moi, mes deux producteurs, on a fini en garde à vue, le producteur là, Hamou. Déféré au parquet, à Lyon. On a failli finir à Corba. Oh, ah, yeah. Celle-là, c'était une dinguerie, frérot. J'ai eu la peur de ma vie. Et quand ils sont fait arrêter, ils ont dormi en garde à vue. Moi, ils sont venus me chercher le lendemain matin chez moi, frérot. Perquisition, 6h du matin. C'était la police de Lyon. Bougez plus, non. Je fais quoi? Je saute par la fenêtre, frérot. Sur la vie de mon fils, j'ai sauté par la fenêtre. J'habite au... Ah, la vie de ma mère, frérot. Oh, la vie de ma mère. Grosse anecdote, la tête de ma mère. Capitaine du navire, parce que le bateau chavire, on est des pirates avec le temps. J'ai eu mon moment, ma petite phase de deuil. Là, j'ai eu ma petite phase de remontada. Et là, j'ai la niaque à fond comme mes premiers jours. Mon projet, genre d'habitude, je suis tout le temps pressé, tu vois, à sortir des projets. Là, on s'en connaît, il envoie projet par projet, tac. Et c'est ce qui est bon, attention, tu vois. Parce que c'est bien, ça, faut garder ça. Mais là, par rapport à ma vie à côté et tout, eh ben, ça m'a permis de bien travailler le projet, vraiment bien le travailler. Là, je suis comme ça pour la suite. Voilà. Ouais, et l'Amsterdam de la marine, pour IFX. Bang.